différentes vagues d'arabisation, de politique d'arabisation qui ont eu lieu, le français a subi beaucoup de difficultés et a reculé. Et donc les jeunes générations sont plus en difficulté et moins à l'aise avec le français. Donc je pense qu'il y a matière à remédier à ces difficultés. Le français est une langue utile parce que c'est une langue qui ajoute, je dirais, un atout, notamment dans les marchés de l'emploi. Donc c'est la langue d'employabilité. Mais c'est aussi la langue, je dirais, de l'ouverture, du voyage aussi, puisque ça permet aux jeunes éventuellement de faire des études ailleurs, en France, au Canada, en Belgique, etc. Même si parfois on nous rappelle que c'est aussi la langue du colonisateur, malgré tout, il y a un attachement pour le français, puisque on a une histoire commune qui a duré quand même longtemps et qui continue à durer. Et je pense que les Tunisiens ont déjà cet atout avec eux d'être quasiment bilingues, pour presque, pour une grande partie d'entre eux en tout cas, d'être quasiment bilingues. Ce serait dommage de se passer de cet atout. Donner du sens au français, ou redonner du sens au français. C'est-à-dire que par exemple, dans les régions défavorisées ou enclavées, les jeunes n'ont pas de contact avec les Français, ne regardent pas une émission de télévision française, ne lisent pas un journal français. Donc, j'essaie par exemple, notamment dans le programme qu'on appelle Village Francophone, junior, j'essaie de les mettre pendant 8 jours dans un contexte de jeunes linguistiques avec des jeunes français, des universitaires français, des étudiants français et des animateurs français. Voilà. Donc, ce qu'on va chercher à développer dans les prochaines années, dans les toutes prochaines années, c'est le renforcement des sections bilingues, notamment dans les établissements pilotes, pour pouvoir développer éventuellement un baccalauréat ou international option français ou un baccalauréat franco-tunisien pour, je dirais, donner un poids plus important aux Français. Les poètes ont-ils laissé quelques sujets à chanter, mais n'ai-je pas reconnu le lieu qu'habitait ma maîtresse? Mes autres noms sont-ils pas dissipés? Salut, demeure dans la, vallée de Djoua, demeure chérie, parle-moi de l'objet que j'ai. J'ai arrêté ma chamelle semblable à une autour, parle autour de sa stature afin de soulager mon corps en m'enlevant à loisir, à me regret. Oui, ici, ici, que Blaf ici son séjour, tandis que nous occupions Hass, sa mère est au Tatel. Salut, reste d'une habitation depuis longtemps abandonnée, et que le départ de Maïsou Abla a changé en une affreuse solitude. Au fait de ma carrière, me télécite de maintenant sur une terre ennemie, combien il m'est difficile de parvenir jusqu'à toi. Le hasard d'un instant a donné naissance pour moi qui fait aujourd'hui la gueule à sa famille et je n'ai une flatteuse espérance. Non, habla pas les jours de ton père, espérance n'est pas faite pour moi. La place que tu occuperas toujours dans mon cœur, garde-toi, sera ceci d'un objet respecté, adoré. Mais ta présence, qu'en pourrais-je en jouir? Quand ta famille est établie au Onaïs et la mienne à Gaïs. Abla avait résolu de s'éloigner, les mentir de l'ombre de la nuit. Quelle fut ma surprise de ma douleur lorsqu'au malin, je précis au milieu des habitations, broutant les grains des trim-trim, les chamelles destinées à porter le bagage. Parmi lesquels on compte 42 000 qui donnent à l'air abondant. Il se destine par une couleur de plume de l'air du corbeau. Quelle fut ma douleur à moi que Blas tient prisonnier de se loigner. On préféra de les mentir de l'ombre de la nuit. Chaque soir, aigrement, la terre est émettée d'une pluie bien puissante. Où la mouche vivant en pied fit entendre un murmure de plaisir comme le joyeux buveur qui fruit d'or. Il frotte en même temps ses pattes l'une contre l'autre, imitant le mouvement d'un homme dans les mains, sans mutiler et qui se force tourner rapidement entre ses poignets et une baguette sèche.
aussi un violet. À la violette, cette fois, ça fait combien? Un violet à la violette. Ah, 4, oui, ça peut aller. Eh bien, dépêche-toi de me donner mes sucres d'orge. Mais Claudette, je n'en ai pas. Tu en as si tu veux. Tiens, assoyons-nous. Les enveloppes sur la table, tu n'as qu'à les rouler. Regarde. Comme ça, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas des sucres d'or. C'est des sucres d'or si on veut. Tiens, celui-ci est jaune. Celui-ci est vert. Celui-ci est rouge. Et voici le violet. Mais le papier est tout blanc. Il est tout blanc si on veut. Tiens, je t'offre un sucre d'or. Celui que tu veux. Moi, je prends le rouge. Nous allons bien nous régaler avec nos sucres d'or. Mais on ne peut pas les sucer. On peut si on veut. Mais ce n'est pas bon. C'est bon si on veut. Tu ne pourrais pas. C'est bon si on veut. Tu ne sais donc pas jouer. Je te dis. Oh, que c'est sucré. Ma fille, je te remercie pour ton cadeau. Juste ton sucre d'or, je te dis. Non, Claudette. Non, Claudette, tu pourrais pas dire non, maman. Écoute d'abord, un enfant ne doit jamais dire non, maman. Il doit toujours dire oui, maman. Oui, maman. Bon, à ton âge, un enfant doit savoir ça. Oui, maman. Bon. Et toi, Claudette, le sais-tu? Oui, je le sais. Crois-tu que je suis plus bête que toi? Oui, maman. Oui, maman, tu pourrais pas dire non, maman. Tu ne sais donc pas jouer. Je vais faire la fête des mêmes toute seule. Comme ça, je n'entendrai peut-être pas tes bêtises. Non, Claudette. Non, Claudette, tu pourrais pas dire non, maman. Et d'abord, un enfant ne doit jamais dire non, maman. Il doit toujours dire oui, maman. Oui, maman. Bon, à ton âge, un enfant doit savoir ça. Oui, maman. D'accord. Où est-ce, Justine? Ma petite maman. Petite maman, durant toute ta vie, tu t'es battue face à la justice. Tu as mené un combat de front avec comme seul allié, papa. Maintenant qu'il n'est plus là, je te vois te démener pour me donner une vie meilleure. Beaucoup de malheurs en si peu de temps, et toi, tu es toujours là, tu fais. Tu remontes les marches et tu avances. Sans jamais montrer tes faiblesses. Tu sais, petite maman, toi aussi tu as le droit de craquer. Et le jour où ça arrivera, je serai là, près de toi. Tu m'as donné la vie qu'un amour sans condition. Tu me protèges et me réconfortes. Tu me fais rire et pleurer. Mais à tout jamais tu seras dans mon cœur. Car tu le veilles ou non, mon amour pour toi est aussi sans condition. Il dit passer les montagnes et attire les cieux. Il est tellement fort que maintenant tu ne te bats plus seul. Et on est deux. Je donnerai tout pour que ta vie devienne un conte de paix. Je te tends la main et j'espère que tu la prendras. Pour qu'on avance ensemble et non plus face à face. Ma petite maman, je t'aime plus que tu peux imaginer. Et je te souhaite une fête des mères. Et je te souhaite une excellente fête des mères. À toi, la meilleure maman au monde. Maman, depuis le jour où je suis née, tu n'as pas cessé de t'aimer. Mais séparée pour moi, je ne peux pas vivre sans toi. Imagine comment que c'est l'espace et il y a plein de place. Et tout ça, c'est rien que pour toi, pour que je te garde tout près de moi. Tu es le soleil qui illumine ma vie, tu es la lune qui éclaire mes nuits. Afin qu'il n'ait pas d'ombre sur mon chemin et je vivrai bien. Tu es mon diamant, tout en argent. Tu es mon trésor, tout en or.
Tu es la pierre la plus précieuse, c'est qui la plus merveilleuse, c'est qui la plus bleue et qui fait briller les yeux. Je pourrais réunir tous les éléments de la terre afin de construire ton univers. Celui qui te fait rêver avec tes enfants à tes côtés. Je pourrais ramasser tous les pétales de rose pour t'écrire un bouquet grandiose. Je pourrais réunir tous les dieux afin qu'ils exaucent tes vœux. Maman, sache que je ne pourrai cesser de t'aimer. Tu es maman, ton adorée. Il passe les jours, mais ne passe pas mon amour. Je t'aime, maman. Poème de Raja Banzazout. Viendra le jour. Viendra le jour où je te dirai je t'aime. Viendra le jour où je te dirai merci. Merci pour tout ce que tu as fait moi. Toi, tu m'as donné l'envie de vivre, l'envie de me battre et de réussir. Tu m'as donné la force que je n'ai jamais imaginée. Et le courage que l'être humain ne peut pas avoir. Le courage que l'être humain ne peut pas avoir. Tu m'as fait comprendre qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Que la vie est difficile et que le bonheur n'est pas facile à trouver. Tu m'as aussi fait comprendre qu'on ne peut pas, qu'il ne faut pas faire confiance aux gens. Et tu m'as rassuré que les douleurs nous rendaient toujours meilleurs. Je ne t'oublierai jamais, mère, car pour moi, tu es toujours sur la terre. Et tu resteras dans ma tête, et ta série restera gravée dans mon cœur. Viendra le jour. On écrit sur les murs le nom de ce monde.